Pourquoi ? Le grand vieillard chute trop souvent. Une fois sur deux, l'origine de la chute est mécanique, parce que l'équilibre du sujet âgé est précaire. Son ossature est fragile, la fracture est presque automatique. De plus, ses capacités à l'effort physique sont limitées. Se retrouvant isolé, le sujet âgé survit, inactif, dans l'insécurité, et finit par se replier sur lui-même. Les potentialités de l'adulte vont diminuer avec l'âge. Cette diminution de réserve d'organes, à laquelle va ou non s'associer une atteinte sociale ou psychologique, va mettre en péril l'autonomie du sujet âgé. La conséquence directe d'une perte de l'autonomie n'est autre qu'une altération de la qualité de la vie. L'exercice physique, exécuté en groupe, vise à prévenir la survenue de ce handicap en maintenant les réserves somatiques et l'environnement psychosocial. L'exercice physique agit de façon préventive sur certains facteurs de risque et sur la performance physique. Premièrement, l'ostéoporose. On sait que la sédentarité, en réduisant les contraintes exercées sur l'os, accélère l'ostéopénie physiologique. L'exercice cherche à maintenir la minéralisation de l'os au-dessus du seuil fracturaire. Deuxièmement, le vieillissement neurosensoriel. L'altération de la fonction labyrinthique, l'émoussement des sensibilités extéroceptives et proprioceptives, complétées par une vision défaillante, conduisent à la maladresse, l'hésitation, la perte de confiance, aux troubles de l'équilibre allant jusqu'aux chutes. Des techniques adaptées à chaque personne peuvent restaurer l'habileté motrice, la proprioceptivité et le sens de l'équilibre. Troisièmement, les performances cardiaques et pulmonaires. La capacité aérobie et l'endurance cardiaque diminuent avec l'âge, limitant ainsi la quantité d'efforts réalisables. Les données expérimentales montrent que le conditionnement et l'entraînement physique des sujets âgés permettent d'augmenter le débit maximal d'oxygène, la capacité maximale d'effort et d'observer une diminution de la fréquence cardiaque et des chiffres tensionnels. Enfin, les facteurs psychosociaux occupent une place primordiale dans le maintien de l'autonomie de la personne âgée. L'isolement affectif, psychologique et social, l'inactivité, la dépression sont autant de facteurs de repli sur lesquels l'exercice physique régulier, exécuté en groupe, va intervenir favorablement. Prévenir les accidents. Il s'agit d'un travail d'équipe. Le médecin décide de la prescription de l'exercice physique et des limites de l'effort permis au patient. L'échange d'informations sur l'état de santé et sur l'autonomie des pensionnaires est permanent entre médecins, kinésithérapeutes et personnel soignant. Préparer le patient en l'informant sur l'activité proposée, sur la tenue, un chaussage correct est indispensable pour sa sécurité. Organiser la séance. On se retrouve dans la matinée, deux fois par semaine, dans une salle située au centre de la maison. Salle assez grande pour assurer des places assises en cercle et pour que le kinésithérapeute puisse être vu par tous les pensionnaires. Un accès facile au jardin est souhaitable. Adapter l'effort durant la séance, selon les possibilités du groupe et la fatigue du moment. En alternant la nature de l'effort, les segments sollicités, le travail musculaire et la pause. Faire passer le maximum de travail avec le minimum de fatigue. Prévention de l'ostéoporose. Mobilisation articulaire systématique, douce et progressive. Du poignet, de l'avant-bras,
de la ceinture scapulo-humérale. Allez-y. Non, pas seulement avec un bras, madame Larine. Passez avec l'autre. Ah non, passez l'autre bras. L'autre bras. Voilà. C'est bien. Bon. Étirement musculo-tendineux des groupes musculaires postérieurs du membre inférieur, associé à un travail en chaîne résistée de flexion-extension. Étirement musculo-tendineux des articulations de l'épaule dans plusieurs plans. Allez, maintenant je vous tourne les mains de l'autre côté. Des précisions sont parfois nécessaires pour obtenir une exécution individuelle et collective correcte. Encore même le bas, encore plus. Très bien. Ça va. Entretien des qualités musculaires des adducteurs de l'omoplate, des muscles extenseurs et recteurs du rachis cervical. Lutte contre le flambage de la colonne cervicale. Le travail isométrique des muscles adducteurs de l'omoplate contre le dossier du fauteuil. L'entretien du quadriceps. Avec contrôle conscient, manuel de la contraction du muscle par le patient. Travail en chaîne de flexion-extension. Avec l'autocontrôle de la position du rachis. Prévention du vieillissement neurosensoriel. La marche de la personne âgée semble instable. Elle se fait à petits pas. Elle peut exiger l'aide d'un appui. Une marche plus stable, harmonieuse. Comment la maintenir? En préparant le pas. Par des exercices de sollicitation de ses composantes. Par la marche sur terrain varié, qui va permettre des sollicitations proprioceptives et d'équilibre, dont l'objectif est la réintégration des messages sensorimoteurs, la variation du rythme, du terrain, les changements de direction, éveille la tension et l'orientation spatiale. Par l'entretien systématique de la force musculaire et de la mobilité articulaire des membres inférieurs. Par des sollicitations musculo-articulaires de l'équilibre et de l'orientation spatiale pendant la montée et la descente. Travail de l'équilibre, en progression, par diminution du polygone de sustentation, par le déplacement du centre de gravité en plan antéro-postérieur et latéral, par diminution du polygone de sustentation, avec élévation du centre de gravité. Travail de l'équilibre et de la proprioception en portant un objet sur la tête. Oui, Hélène. Ça passe. Allez, parti.
travail de l'équilibre et de la proprioceptivité pendant la marche sur sol instable avec élévation du centre de gravité. Cette démarche, caractéristique du syndrome extrapyramidal, va se modifier à l'occasion de la marche sur les bottins. Voilà. Ça y est. Sollicitation de l'équilibre avec extéroception au niveau du pied, différencié par la nature des objets en contact avec la face plantaire. Appui successif sur le bord interne et externe du pied. Proprioceptivité au niveau du pied et de la cheville, favorisée par la translation du bassin dans le sens circulaire. Réaction à une poussée déséquilibrante et à une poussée progressive en chaîne cinétique fermée. La reconnaissance du corps. Travail de la sensibilité extéroceptive et proprioceptive par le contact du corps avec un objet. Et avec une force extérieure. Sollicitation extéroceptive et proprioceptive propre au corps en immersion. Par la sensation de glissement de l'eau sur la peau, la résistance au frottement et la sustentation de l'eau. Bien. Ok. On sollicite l'orientation spatiale en progression avec des changements de direction. Avec des pirouettes présentant des degrés de difficulté croissante, tout en assurant la sécurité pendant l'exécution. Il faut prêter attention à l'aspect praxique, fonctionnel des gestes de la vie courante en entretenant la mobilité et la force nécessaires. Il faut donner des solutions individualisées selon le handicap. Voilà, vous mettez les deux mains si vous voulez sur la chaise. Les deux mains si vous voulez sur la chaise. Les deux mains. Vous mettez le pied. Mettez le pied, le genou. Voilà. Hop. Non. Hop. Oui. Bon. Et bien. Donner des solutions pratiques et fiables pour pouvoir agir au besoin et rester autonome. Les performances gestuelles acquises sont complétées par des éléments de sport sollicitant la coordination, l'adresse et la précision. Sollicitation de la fonction cardio-respiratoire. Travail de la souplesse et de l'ampliation thoracique. Exercice inspiratoire de grande amplitude.
renforcement des muscles assurant la synergie abdominodiaphragmatique. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je mettant l'accent sur l'expiration. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allongez le ballon et vous soufflez dessus. Ah. Non, non, il est loin, le ballon. Allez, on y va. Entretien de la souplesse de la ceinture scapulo-humérale à visée respiratoire. Mouvement à visée circulatoire, préparant l'organisme à l'effort, avec, en progression, le rythme du mouvement, la durée de chaque série et le nombre de séries. Le parcours du cœur consiste à effectuer une marche tranquille, à rythme régulier, à travers les allées du parc. Les distances, parfaitement étalonnées, varient de 150 à 500 mètres et sont matérialisées à l'aide d'indicateurs visuels. Des bancs permettent des moments de pause. Les accès à ce parcours sont adaptés aux sujets âgés et l'inclinaison du terrain est très faible, moins de 5 degrés. L'effort à fournir dépend de la distance parcourue, de la vitesse de la marche, des variations du terrain, et enfin de la durée des repos. Des exercices facilitant la respiration et la relaxation sont conseillés durant la marche et la pause. Le parcours du cœur était effectué une heure avant ou 3 ou 4 heures après le déjeuner. Il peut aussi avoir lieu tôt le matin ou le soir avant le coucher. Comme toute activité physique proposée aux sujets âgés, l'effort demandé est adapté à chaque situation et dépend d'une surveillance médicale régulière. Avec un recul de 4 ans sur cette activité, il est intéressant de souligner dès maintenant que la population qui prend part à ces exercices paraît avoir un pronostic fonctionnel nettement meilleur par rapport à une population témoin. Cette efficacité sur l'autonomie est assez surprenante quand on la rapporte à la courte durée d'entraînement, 2 heures par semaine. On peut y voir là un effet starter de cette activité, qui va se poursuivre en dehors des séances. Quant aux bénéfices psychologiques qu'elle apporte, il est indéniable. Le premier objectif n'est pas de faire baisser la mortalité, mais plutôt de diminuer la morbidité et de prévenir la dysautonomie. Enfin, il s'agit là d'un champ d'application motivant pour le rééducateur, car il va pouvoir agir avant le moment où habituellement il doit intervenir.